De retour à Honfleur dans le grenier à sel pour continuer notre cheminement sur le festival russe, festival du cinéma russe qui se clôture le 27 novembre. On a reçu avec beaucoup de plaisir Elena tout à l'heure, qu'on réaccueille, si je peux prendre ce terme, pour nous présenter un grand monsieur du cinéma. Monument serait peut-être un mot peut-être trop faible pour le caractériser, en tout cas on le connaît bien en France. Alexeï Gouskov, donc, qui a une double, triple, quadruple actualité. D'où sa présence ici sur le festival. Elena, donc c'est ça, quatre films, plus du théâtre et de la musique pour Alexeï. C'est exact, quatre films, tous les quatre films hors compétition dans différents programmes et les soirées théâtre et musique qui aura lieu demain, vendredi à 20h30. La question que vous pourrez poser à Alexeï, sa présence en Normandie, à Honfleur, c'est quelque chose qui l'apparente à du travail, du loisir, c'est du plaisir, comment ça se... Plaisir, plaisir. C'est du plaisir. Seulement plaisir. Oui. Seulement. Oui. D'accord. On va rester avec le micro pour la traduction, juste pour qu'on ne puisse pas avoir de coupure talk, de son. Seulement le plaisir. Seulement toujours le plaisir. Seulement plaisir. Pas seulement, mais toujours. L'image qu'il a en France, on a toujours un film qui colle un peu à la peau, c'est le concert. Est-ce que c'est quelque chose de dérangeant? Ни в коем случае не мешает, потому что это моя визитная карточка. Но cela me dérange pas du tout, c'est ma carte de visite en France. Фильм я люблю и люблю до сих пор. Ce film j'aime beaucoup, j'aime encore. И вообще предложения, приходящие ко мне из Франции, это те предложения, которые я, в общем, не исполняю в России. Нетипичные предложения. Les propositions de rôles que je reçois en France, en fait, ce sont les propositions inhabituelles pour la Russie. Ce sont les rôles que je reçois seulement en France, mais jamais en Russie. D'accord. Я первый раз сыграл дирижера, первый раз сыграл сумасшедшего олигарха, первый раз сыграл балетного учителя. Pour la première fois de ma vie, je jouais un chef d'orchestre, je jouais un oligarque, un fou furieux oligarque, nouveau russe, et je jouais aussi un professeur de ballet, aussi pour la première fois. Et еще я папа римский, так что bless you, my son. Et en plus, je suis Pope Jean-Paul II. Donc, aussi en Europe. Sa carrière a véritablement évolué, elle a été bousculée de par justement ce premier film. Нет, у меня просто появилось две жизни, одна жизнь в России, а другая жизнь в Европе. Non, en fait, j'ai commencé avec ma double vie. Maintenant, j'ai une vie en Europe et une vie en Russie. Est-ce qu'il est, si on le classifie de jeune acteur, ça lui fait plaisir ou pas? Parce que c'est il a énormément de carrière derrière lui, mais c'est encore un acteur tout neuf. Да, я молодой, потому что возраст это вообще отсутствие интересов. У меня интересы не кончаются. Я продолжаю любоваться красивыми женщинами, я продолжаю интересоваться разными культурами, и мне хочется все время что-то сделать такой сальто мортале с собой в искусстве. Moi, je suis un très jeune acteur parce que la jeunesse, en fait, lorsqu'on est vieux, on n'a plus d'intérêt à rien. Et moi, j'ai encore beaucoup d'intérêt. J'adore ce que j'ai fait. J'adore regarder les belles femmes. Et donc je suis très, très jeune. La particularité des quatre films là, qui lui appartiennent, dont ça fait partie de son travail, comment on pourrait les classifier, les différencier? Четыре фильма. Первый фильм, это я упомяну, конечно, Фредерика Бекбедера «Лидеаль». Мне очень интересен человек как личность, который пробует себя так же, как и я, во всех сферах. Le premier film, c'est «Идеаль» de Frédéric Becbédé. Et moi, j'adore cette personnalité, c'est Frédéric, parce que il est aussi comme moi, il essaye à trouver son chemin dans différentes сферes de l'art, de tout. Oui, задача, которую мне поставил... Ils sont austères tous les deux, c'est ça? Ils sont austères tous les deux, Frédéric Becbédé. Non, ils sont sérieux. Vous sérieux, Ludis, Frédéric? Vous sérieux, оба Ludis, Frédéric? Мы очень оба серьезные люди, потому что те образы, которые внешние, они не значат, что наш внутренний мир совпадает с внешним. Nous sommes tout au contraire de l'image qu'on fait dans les médias. On est tous les deux très austères. И просто подумайте, если сказать о Федерике, человек, написавший за свою жизнь 14 книг, ведущий передачи, журнал. Снявший уже две картины, ну как он может быть несерьезным человеком? La personne qui a, comme Frédéric, qui a écrit 14 livres, qui a fait deux films, et qui aussi est modérateur, qui est journaliste, qui fait plein de choses, comment il peut ne pas être austère et sérieux? Как сказано у русского классика Пушкина, читатель хочет рифму розы, но на лови ее скорей.
C'est Pushkin qui a dit, bon, les lecteurs, ils veulent lire des roses, mais alors prenez les roses. Хочешь розы, на? Tu veux les roses? Prends. Les Confessions, c'est un film important, avec des acteurs français. Вообще, я люблю интернациональные команды. Даниэль Атой, это для меня очень большой артист. Очень. Moi, j'adore les équipes internationales. Daniel Auteuil, pour moi, c'est un très, très grand comédien français. Stéphane Fries, современный acteur, работающий сейчас очень активно во Франции. Stéphane Fries aussi, il est très demandé en France. C'est un très, très bon acteur. Я не говорю о Тони Сервилле, о Фавино, Пьер-Франческо Фавино, о итальянские актеры, английские актеры, немецкие актеры. Dans ce film, il y a les acteurs italiens, anglais, allemands, Pierre-Francesco Favino, Тони Сервилле. Мое участие для меня абсолютно оправдано, потому что я именно представляю Россию, потому что по сюжету там G8, и от каждой страны взят более-менее там значимый артист, который может выразить вот, ну, суть, что ли, вот... характера страны. И, en fait, ma participation dans ce film, moi, je le considère comme tout à fait justifié, parce qu'il s'agit d'histoire de G8, et participation de chaque acteur de chaque pays, un petit peu, c'est le caractère de ce pays. Donc, moi, je pense que je représente le caractère de ce pays. Je vais te demander juste un petit détail technique. Tu peux garder le micro lorsque tu fais la traduction. Ça nous permet d'avoir la belle musicalité de votre langue. Le pingouin, on l'a abordé rapidement. Коротко, пингвини. «Пингвин» — совместная картина с «X-фильмы». На фестивале «Ван Флёр» видели уже 4 дня в мае. И это второй опыт. Это современная картина, неожиданная картина. И для меня неожиданная. В общем, я сейчас все привез неожиданное. «Пингвин» de nos jours, c'est un film, deuxième film en coproduction avec «X-фильмы». C'est la société de production allemande. Nous, on a montré déjà ici 4 jours en mai, notre premier film. Et c'est un film inattendu, surprenant pour moi aussi. Moi, je n'ai apporté que des films surprenants ici. D'accord. Le quatrième, c'est... On avait 4 films, c'est ça? Quatre films, oui. On a oublié un ou pas? Idéal, Confession. Ah oui, Ainsi firent les étoiles, c'est un film kazakh. Non, ici, je joue вообще играю Бориса Ельцина. Так что, мне кажется, достаточно убедительно. Это мое собственное высказывание по тому времени, которое прожила моя страна. Это, конечно же, мой взгляд на эту проблему. И я снимался у очень интересного русского режиссера Сергея Снежкина. Le film Ainsi firent les étoiles, là, je jouais le rôle de Boris Yeltsin, d'ancien président de l'Union soviétique. Et là, c'est un petit peu à l'image de cette époque et c'est mon regard sur cette époque. Mm-hmm. Et ce film est tourné et fait par un très, très grand réalisateur russe, Sergei Snechkin, et j'adore ce film. Est-ce qu'Alexei aurait pu jouer ou aurait aimé jouer le rôle de Pushkin au cinéma, si ça n'a jamais encore été fait, je ne sais pas. Могут ли сыграть, например, роль Пушкина в кино? Я не могу сказать, что я могу все, но я подумаю о вашем предложении. C'est une idée très intéressante. Je peux pas dire que je peux jouer tout, mais je vais y réfléchir. Проблема не в цвете кожи. Donc la partie poésie, justement, il va participer, je crois, à des lectures théâtrales avec le baryton Vladislav Kozarev. C'est une autre partie de sa palette. Это еще одна часть твоего актерской деятельности. Ты представишь поэтический вечер вместе с Владиславом Косаревым. Потому что я люблю театр, я театральный артист. В театре сейчас, сию минуту, на ваших глазах происходит вот это чудо. Это не записанное на пленку изображение, а это живое сейчас, сию минуту. Мне интересно, как реагирует на меня французская публика. Moi, je suis artiste de théâtre, surtout, et j'adore faire le théâtre. Et en fait, théâtre, c'est un art très vif, très vivant, là où le miracle se passe devant vos yeux. Et c'est pour ça que j'aime bien le théâtre. Là, on est en décalage, je crois, avec la présentation de ces films, etc. Qu'est-ce que l'actualité la plus proche pour lui maintenant? C'est quoi, actuellement? Следующие планы твои какие? На будущее? Après Honfleur, je pense. После Honfleur'a. Я приеду в Москву и буду готовиться к новым работам. И жду предложения из Франции. Je rentre à Moscou, je vais préparer mes nouveaux films et j'attends une proposition de France, de la France. D'accord, c'est un appel du pied là, c'est ça? C'est un appel... Это призыв. Finance? Oui. Okay. On peut le voir comme ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle, c'est vendredi soir, c'est ça la soirée? Vendredi à 20h30. 20h30, projection des films autrement, c'est actuellement? Aujourd'hui. À 18h, 21h. D'accord. Ok. Au revoir, comme a dit le président Giscard d'Estaing. Il repart quand là-dedans? Il part samedi. Il part samedi, il ne veut pas rester? Tu ne veux pas rester à Honfleur? Non, c'est un rêve fou. Действительно, avoir la possibilité de venir ici, non seulement au festival, mais juste venir ici.
Мне очень нравится это место. C'est mon rêve de pouvoir venir ici en dehors du festival, juste pour rester, pour passer le temps ici en Fleurs. Belle conclusion, merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite, au revoir. Merci, merci à vous, au revoir.